Dans l'actualité du 13h15, les députés interpellent le gouvernement ce vendredi à 14 reprises, soit 12 questions sans débat et 2 avec débat. Police de proximité, l'opération 100 000 charrues et l'incivisme des usagers de la route, le point des sujets évoqués entre ministres et députés dans cette édition. Et puis en sport, Alexis Caboret dit yo-yo, s'adjuge la ceinture et le titre WBC en boxe. C'était hier au Palais des Sports de Ouagadougou. Il affrontait le Nicaraguayen Reynaldo Cachino. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. À 2 jours de la fin de sa 2e session ordinaire de l'année, l'Assemblée nationale vide ses questions orales au gouvernement. Au total, les députés ont interpellé l'exécutif ce vendredi à 14 reprises, soit 12 questions sans débat et 2 avec débat. La mise en œuvre de la police de proximité, les perspectives d'élection de nouvelles circonscriptions administratives, l'assistance judiciaire des prévenus, le vote des Burkinabés de l'étranger, l'opération 100 000 charrues et l'incivisme des usagers de la route, autant de sujets évoqués entre ministres et députés. Oumarou Mogmenga. C'est le ministre le plus attendu à l'hémicycle par les députés en ce vendredi de questions orales. Sur 14 questions posées par la représentation nationale au gouvernement, 6 questions sont adressées au ministre en charge de l'administration territoriale et de la sécurité. Monsieur le ministre, ma question est de savoir où vous en êtes avec la mise en œuvre de la police de proximité. On note un changement de comportement au niveau des populations. Changement de comportement qui se traduit par une promptitude à dénoncer les actes d'incivisme et d'attaque à main armée en appelant les numéros verts 10, 10, 16 et 17. Nous avons pu mettre en place en 2000 jusqu'en 2012 près de 3235 comités locaux de sécurité. Au cours de la période de mise en œuvre de la police de proximité, on a constaté une diminution du nombre d'attaques à main armée. Sur le territoire national, certaines parties aspirent à être érigées en nouveaux départements ou nouvelles provinces, affirme le député Palguim Sambari. Qu'envisage alors le gouvernement afin de répondre aux attentes des populations vivant dans ces parties? Il est envisagé dans un futur proche la création de nouveaux départements et la création de nouvelles provinces en fonction des aspirations des populations et des réalités socio-historiques. Le code électoral dispose que le vote des Burkinabés de l'étranger doit être effectif pour compter des élections présidentielles de 2015. Mais alors, quelles sont les dispositions prises par le gouvernement en la matière? En réponse à cette interpellation du député Amadou Tamboura, le ministre Bougma dira en substance que le gouvernement et la Commission électorale nationale indépendante sont en tandem depuis plusieurs mois pour organiser au mieux le vote des Burkinabés de l'étranger en 2015. Le député Adama Sosso veut savoir ce que fait le gouvernement face à la poussée de l'auto-justice et la désobéissance aux lois et règlements du pays par certains Burkinabés. Devant les députés, le ministre Drama Nyamwego évoque la politique nationale de justice. La justice s'emploie chaque jour à mettre en œuvre la politique nationale de justice qui ambitionne à l'orée de 2019 de renforcer les capacités globales de la justice, de dynamiser le pilotage du secteur de la justice, en somme, de travailler pour une justice crédible, équitable, indépendante, transparente, compétente, déconcentrée et accessible à tous. D'autres questions sur les indemnités de judicature versées aux juges du siège, les droits des prévenus, l'opération 100 000 charrues, le détournement des destinations des espaces verts et les mauvais comportements des usagers de la route ont été abordés par les députés. Et les ministres compétents se sont succédés au parloir pour les réponses. Le 2e congrès de la Société Burkinabé de Pneumonie a regroupé 2 jours durant à Ouagadougou plus de 150 congressistes qui ont réfléchi sur l'asthme, l'allergie et l'antibiothérapie. Il s'agissait aussi de voir avec les praticiens de santé les nouvelles techniques de prise en charge des patients atteints de ces pathologies. Lazare Pouya. Pour ce 2e congrès de la Société Burkinabé de Pneumologie, SOBUP, ils sont plus de 150 congressistes venus des 4 coins du Burkina et d'ailleurs à prendre part.
La tenue de ce congrès offre une opportunité aux membres de la SOBUP et ses sympathisants de mieux aborder trois éléments fondamentaux du thème de la rencontre, à savoir asthme, allergie et antibiothérapie. C'est des thèmes qui sont transversaux. Parce que quand vous prenez l'allergie, ce n'est pas qu'en pneumologie qu'il y a de l'allergie. Quand vous prenez l'asthme, vous pouvez avoir l'asthme de l'enfant, l'asthme de l'adulte. Et quand vous prenez l'antibiothérapie, également, c'est un terme assez transversal. Donc, c'est pour pouvoir faire une formation médicale continue efficace que nous avons choisi ces thèmes transversaux-là afin d'intéresser tous les acteurs de la santé. D'imminent sommité scientifique burkinabé est d'ailleurs, comme le doyen des pneumologues de l'Afrique francophone, le professeur Ousseyni Tidiani du Togo et les congressistes vont pendant 2 jours décrypter 100 abstracts et assister à 3 sessions comportant 7 conférences à thème, 3 sessions à communication libre et 1 symposium. Toute chose qui réjouit le parrain. Je me réjouis qu'on ait fait l'honneur de ma modeste personne et je crois que nous sommes là pour... Autant nous avons les sociétés savantes accompagnent les hôpitaux. Le travail qu'ils font, les retombées, c'est nous qui les accueillons. Donc nous ne pouvons pas aussi refuser de les accompagner, ne serait-ce que par notre présence pour leur apporter notre soutien moral. Au Burkina, l'asthme constitue un problème de santé publique avec une prévalence de 7,3% en milieu scolaire. Et en 2012, les infections respiratoires occupaient le 2e rang après le paludisme pour les motifs de consultation. Les maladies respiratoires constituent encore des défis pour notre système de santé. C'est en cela que nous nous félicitons de la tenue du congrès, de ce 2e congrès de la Société burkinabé de pneumologie, qui va permettre donc aux professionnels de pouvoir échanger sur ces questions de maladies respiratoires. Nous nous félicitons de ce que ce congrès va renforcer les capacités donc des participants, des membres de la société, et nous encourageons donc la société burkinabé de pneumologie, comme l'ensemble des sociétés savantes, à rester dynamique. Au sorti de cette rencontre, les congressistes verront leurs compétences renforcées et de nouvelles connaissances devront leur permettre de mieux prendre en charge les patients. Rendez-vous est donc pris en 2015 pour le 3e congrès. Le budget de l'État burkinabé pour l'année 2014 se chiffre à plus de 1664 milliards de francs CFA. Pour les recettes, contre plus de 1833 milliards de francs CFA côté dépenses, soit un gap de 169 milliards de francs CFA. Un expert comptable décrypte cette loi de finances à l'attention des entreprises privées. Ce 17 décembre 2013, Pierre Abadi a animé une conférence au cours de laquelle il a permis d'avoir une lecture simplifiée de la loi de finances. Claudine Bikaba. Pour que les entreprises et les sociétés privées puissent être bien gérées et dans la légalité, elles doivent s'imprégner des actualités juridiques les concernant. C'est ainsi que le cabinet Pierre Abadi s'est donné pour tâche de les informer sur la loi des finances 2014 afin qu'elles ne soient victimes, par exemple, de la perte de la TVA ou être pénalisées à 50%. C'est donc l'objet de cette conférence qui réunit ces acteurs concernés. Quand vous avez affaire à un chef d'entreprise, c'est un homme de métier, c'est-à-dire que c'est un boulanger, c'est un homme de bâtiment, c'est quelqu'un qui est dans la mine. Et ce n'est pas forcément quelqu'un qui lit le journal officiel le matin en se levant et qui consacre son temps à ça, heureusement, car il n'y aurait plus d'entreprise à partir de là. Donc on lui fait une petite rétrospective très courte, très rapide, très dense sur l'actualité juridique des entreprises au Burkina Faso. Qu'est-ce qui compte pour lui? Quelles sont les implications? Et j'y arrive. En effet, après, on va lui parler de... Après la rétrospective, on va lui parler de la perspective, c'est-à-dire quelle est la loi de finances qui s'applique, quelle est la fiscalité qui s'applique à partir du 1er janvier 2014. À partir de 2014, toutes les entreprises doivent avoir des factures normalisées, sinon elles seront sous peine de sanctions, d'où l'appréciation de l'initiative par ses participants. Ce qui est bien, c'est qu'on se retrouve à plusieurs à échanger. Chacun apporte un peu son expérience et sa connaissance de la fiscalité. Je pense que c'est des expériences à renouveler dans l'année. Ça nous permet justement, quand on se retrouve dans l'entreprise, à mieux appréhender les questions sur la fiscalité. Il a été aussi question au cours de cette rencontre de faire une rétrospective de l'actualité juridique 2012-2013 pour permettre à ses participants d'être au parfum de ces actualités pour qu'ils prennent des précautions afin de ne pas être en porte-à-faux avec la loi et d'en payer les frais.
Au ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, l'heure est au bilan de l'année 2013. Il s'agit pour les responsables de ce département ministériel de mûrir la réflexion sur un tableau de bord pour 2014. Et déjà, le Japon apporte son eau au moulin en signant une convention avec le Burkina pour soutenir la production de sésame dans le pays. Explication, Abdelaziz Yadibou. Le bilan fait état d'une récente campagne agricole des plus satisfaisantes, certes, mais la question de l'insécurité alimentaire et partant celle de la pauvreté reste toujours posée. Les chiffres sont éloquents avec environ 1 200 000 Burkinabés frappés par le dénuement total. Face à cette situation, les responsables et techniciens du département en charge de l'agriculture et de la sécurité alimentaire mènent la réflexion à Manga. Échange desquels devraient jaillir des propositions et recommandations à même de promouvoir les techniques et technologies de transformation des produits agricoles nationaux. Nous avons mis beaucoup d'accent sur la production sans trop souvent nous assurer si cette production rencontre un marché. Et ce marché, comme vous le savez, est de plus en plus exigeant et diversifié. Donc nous sommes obligés de faire en sorte à promouvoir les techniques et technologies de transformation des produits agricoles pour que les consommateurs trouvent des formes alimentaires, des présentations alimentaires qui correspondent à leurs besoins du moment, toute chose qui est de nature, de permettre en amont aux producteurs de pouvoir s'adapter, de pouvoir offrir des produits qui correspondent à un besoin du marché. Quel objectif et résultat à atteindre en 2014? Quelle partition doit jouer chaque acteur du monde agricole? Autant d'inconnus de l'équation que Manga devrait résoudre. Comme pour faire d'une pierre deux coups, l'opportunité a été saisie pour matérialiser l'engagement du Japon à soutenir le ministère de l'Agriculture dans sa quête de promotion de la culture du sésame. Au titre de cette convention, le pays du soleil levant à travers l'AJICA entend injecter environ 3 milliards de francs CFA dans cette filière. Le sésame, c'est un produit de l'Inde. Le marché se trouve bien sûr au niveau national, mais surtout le marché intéressant se trouve au niveau international, avec un certain nombre d'exigences, et ces exigences nécessitent vraiment que nous puissions encadrer, nous puissions organiser nos producteurs pour pouvoir respecter ces normes de qualité qui sont exigées à l'international. Pour conduire au mieux ce projet qui s'étale sur 5 ans, la convention vise aussi à mettre à la disposition du ministère de tutelle une expertise technique. Pour la promotion de la tolérance et de la paix au Burkina Faso, le ministère en charge des droits humains dispose d'un document de référence. Pour aider à une meilleure compréhension du document, le ministère a réuni les acteurs à Ouagadougou pour une séance d'immersion des détails avec Evelyne Dabiré. Ce document qui a pour titre « Stratégie nationale de promotion d'une culture de la tolérance et de la paix » est un outil de référence au profit de tous les acteurs privés et publics œuvrant en faveur de la promotion de la tolérance et de la paix au Burkina. Élaboré et adopté depuis 2008 par le gouvernement, il est cependant méconnu, d'où cet atelier afin de vulgariser son contenu. Le contexte actuel nous invite donc à nous ressourcer aux valeurs essentielles qui ont toujours caractérisé notre société. Ce sont ces valeurs-là qui sont répertoriées dans le document de stratégie de promotion d'une culture de la tolérance et de la paix en vue d'une cohésion sociale durable dans notre pays. Au cours de cet atelier, une explication de ce document sera faite aux participants qui pourront ainsi mieux se l'approprier. 150 personnes par région et 7 régions sont concernées par cette première série de formations et la seconde série concernera les 6 autres régions. Et ce qui est attendu des acteurs déjà formés des Cascades, du Sahel, du Centre-Est, du Centre-Nord, du Sud-Ouest, du Nord et du Centre est qu'ils se réfèrent à ce document dans leurs actions de promotion de la tolérance et de la paix. Retrouvailles toute une journée entière autour du plan d'action prioritaire du Forum régional de la formation professionnelle et de l'emploi de l'Est. Ce forum mis en place en 2010 a élaboré et validé un plan d'action triennal couvrant la période 2013-2016. Et de ce plan sont tirées des actions prioritaires. Les acteurs de la formation professionnelle et de l'emploi de la région de l'Est se sont donc retrouvés vendredi à Fadan Gourmand pour une meilleure implication. Oswald Gaëtan Segda. Qui est adopté pour mettre tous les acteurs de la formation professionnelle et de l'emploi de la région de l'Est au même niveau de compréhension partagée des outils de gestion.
La rencontre a aussi permis de présenter l'état d'avancement de la mise en œuvre du plan d'action prioritaire 2013, tiré du plan triennal 2013-2015. C'est pour permettre donc de partager l'information entre les différents acteurs, parce que le forum régional qui a connu son démarrage en 2010 a connu énormément de dynamisme, beaucoup d'activités qui ont été réalisées, et c'était important qu'on puisse réunir l'ensemble des acteurs de la région pour partager avec eux l'information et susciter l'adhésion de l'ensemble, afin que cette dynamique-là soit toujours porteuse d'espoir et de résultats dans le domaine de la formation professionnelle. La signature en septembre dernier d'une convention de financement entre le Fonds d'appui à la formation professionnelle et de l'apprentissage et le Conseil régional de l'Est pour la réalisation d'activités marque réellement le top de départ des actions du FRAPPE. Des actions qui contribueront à résoudre la question du chômage des jeunes dans la région si la mobilisation des acteurs et des partenaires techniques et financiers se renforce. Nous avions une première convention et qui est à hauteur donc de 160 millions. C'est largement en deçà de nos ambitions financières et nous espérons l'écho que cela fera et espérer fondamentalement avoir avec nous d'autres partenaires techniques qui emboîteront le pas au FAFPA et à la coopération suisse. Donc, et le PAPS également. AFADA, un engagement des acteurs à soutenir la mise en œuvre du plan d'action a été obtenu. Toute chose qui devrait donner plus de vitalité au Forum régional de la formation professionnelle et de l'emploi de l'Est. Face au changement climatique au Burkina Faso, une coalition des organisations de la société civile existe pour informer et sensibiliser. Cette semaine, la coalition a réuni ses membres à Ouagadougou pour une session d'information climatique et pour le développement de la résilience et de l'adaptation au changement climatique. Tout cela, on va le comprendre avec Zalissa Sanfo et Sylvestre Sieda. Les effets des changements climatiques sur les populations ne sont plus à démontrer. C'est pour cette raison que la coalition des organisations de la société civile sur le changement climatique au Burkina Faso s'investit pour trouver des mécanismes à même de permettre de faire face au phénomène. Logique donc dans laquelle s'inscrit la présente rencontre. Ce présent rapport que nous sommes en train de fournir nous permet aujourd'hui de répondre d'abord oui à l'appel de nos gouvernants qui ne cesse depuis un certain moment de nous interpeller, nous, société civile, pour l'élaboration des politiques et stratégies de développement. Dans ce rapport, nous sommes en train de faire des propositions d'action qui nous permettent de nous positionner par rapport au plan national d'adaptation. C'est l'occasion de revoir nos actions passées et avec les projections climatiques qui sont en train de se faire dans ce rapport, de nous repositionner pour enfin mener des actions diversifiées et durables. Les participants vont analyser les différents scénarios des changements climatiques et la vulnérabilité de certains acteurs de développement face aux phénomènes. Les phénomènes du changement climatique qui sont des phénomènes nouveaux et qu'il faut absolument qu'on comprenne les mécanismes pour pouvoir expliquer aux producteurs qui doivent miser sur de nouvelles technologies et maîtriser les productions pour continuer à mieux maîtriser l'environnement et mieux vivre. Les travaux devraient permettre de mieux décrire et d'appréhender les variations des phénomènes climatiques, d'évaluer les impacts des différents secteurs de développement et enfin proposer des mesures d'adaptation. Et puis la campagne 2013-2014 de l'exploitation faunique au Burkina Faso est ouverte, placée sous le thème de la faune comme facteur catalyseur des dynamiques économiques. Elle devrait permettre de générer des recettes pour le pays. Le top de départ de cette campagne est donné ce 20 décembre à Boromo par le ministre en charge de l'Environnement en présence de Bouma Ernest Nébier. Par ce coup de fusil, le ministre de l'Environnement et du Développement Durable donne depuis Boromo le top de départ de la campagne nationale de chasse 2013-2014. Une campagne placée sous le thème « La faune, un facteur catalyseur des dynamiques économiques ». Dès qu'il y a un chasseur qui arrive, l'État perçoit une taxe d'abattage. Toute bête abattue, l'État perçoit une taxe d'abattage. Il y a un permis que l'État perçoit. La taxe de pisteur. L'État prend 50% et 50% revient à l'intéressé. Maintenant, la population riveraine,
qu'est-ce qu'elle gagne? Elle gagne par exemple en petite chasse 7500 par jour et par chasseur. La chasse, au-delà des ressources financières qu'elle génère, est une activité plaisante selon ses pratiquants. Mais attention, tous les animaux ne sont pas à abattre. Il y a une réglementation et au niveau des espèces, on a ce qu'on appelle une liste A qui regroupe l'ensemble des espèces dites intégralement protégées, soit au plan national ou international. Et parmi ces espèces-là, vous avez l'éléphant, vous avez l'hippopotame, vous avez la panthère, les léopards, des espèces dont la population est d'une taille réduite et menacée d'extinction. Au niveau des oiseaux, c'est la même répartition des espèces dites intégralement protégées, comme les vautours, l'autruche, qui aujourd'hui, la population est un peu... très réduite. Selon le ministre de l'Environnement, les réserves fauniques sont confrontées à d'énormes difficultés auxquelles son département fait face. Nous rencontrons beaucoup de difficultés. Nos aires protégées, nos forêts classées ne sont classées que de nom. L'action anthropique de l'homme met en péril ce patrimoine commun. Le braconnage se développe. C'est un problème de sécurité nationale, sous-régionale et internationale. C'est des réseaux de trafiquants qui sont organisés au niveau sous-régional et international, avec des moyens considérables en armement, en télécommunication, en moyens de déplacement. Ces gens sont en train de décimer nos espèces les plus emblématiques, que sont la forêt. Donc c'est l'occasion aussi pour lancer un appel à tous les acteurs, à toutes les populations, aux autorités locales, religieuses, coutumières, à nous tous, pour que ce patrimoine commun, nous puissions donc le préserver. Le lancement de la campagne nationale d'exploitation faunique 2013-2014 à Boromo a aussi pour objectif de booster, selon Salif Ouidrago, les travaux de réhabilitation du parc national des deux balais en dégradation. Une réhabilitation financée à plus d'un milliard de francs CFA par la République du Japon. Et puis, je vous le disais, en titre transport, Alexis Caboret dit yo-yo, ça juge la ceinture et le titre WBC en boxe. C'était hier dans la soirée à Ouaga 2000. Il affrontait le Nicaraguayen Reynaldo Cadino. Abdoulaye Caboret reviendra dans nos prochaines éditions sur ce élément. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.